On a réfléchi en pile qui, après 50 jours d'activité, 50 jours de prédication, est-ce qu'effectivement, m'a bien parole pour me dire matin? Mais bon Dieu, il était orienté, moi, dans préparation, moi. Et c'est peut-être ça, m'a demandé, on va ouvrir Bible ensemble avec moi, dans thème noir. Dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour la vie. Merci matin parce que vous êtes capable de mettre nous ensemble. Merci, bon Dieu, parce que vous avez déjà mis tes paroles ou dans la bouche, non. Parce que vous avez déjà révélé, nous, Seigneur, besoin de chaque monde. Merci, bon Dieu, parce que c'est vous-même qui pouvez parler, mais c'est pas nous-mêmes. Nous pouvons comme ça. Au nom de ton fils Jésus-Christ. À lui la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Dis-moi beaucoup de là pour qui ça ou abandonner premier l'amour. Éphèse était la plus grande ville, la capitale de la province romaine en Asie. Elle était aussi appelée la lumière d'Asie. Elle fut l'une des premières villes touchées par la prédication des apôtres. Éphèse, à cette époque, c'était une grande ville très prospère, mais aussi très idolâtre. L'église d'Éphèse était reconnue pour son amour fervent, son désir de connaître davantage Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 5, Dieu va utiliser l'apôtre Jean dans des circonstances très particulières. Il a reçu la parole prophétique de Dieu comme une parole qui doit réveiller les églises. Dans la première lettre, Jésus se présente de la manière suivante. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Ici, les sept étoiles représentent les messagers, les anges qui communiquent la parole de Dieu aux églises. Les sept chandeliers représentent la totalité des églises. Sept chandeliers, sept églises. Le fait que Jésus marche au milieu des chandeliers, cela souligne son implication active dans la direction de son église. Et rien n'a pas échappé son attention. Dans le texte, le Seigneur Jésus fait le bilan de l'église d'Éphèse. Il voyait un message par l'église là pour dire que ça qu'elle a prouvé, ça n'a pas prouvé. Nous voyons que l'église d'Éphèse est une église forte. Une église active, une église stable de la foi,
Une église qui a du discernement. Une église qui a la connaissance de la parole de Dieu. Une église qui marche dans l'intégrité et la sainteté. Mais malgré tout cela, le Seigneur demande à cette église de se repentir, d'avoir abandonné son premier amour. Le premier amour ici, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Le premier amour, c'est lorsque rien ne peut passer avant Dieu. Travail, on peut passer avant mon Dieu. Injonction, on peut passer avant mon Dieu. Loisir, on peut passer avant mon Dieu. Téléphone, on peut passer avant Dieu. Il y a des gens qui sont tellement habitués à téléphone, non? Ils partent en nuit. C'est sous téléphone, non? Lié. Il réveille le téléphone. Mais le païen me choisit en l'air si t'as pas tant en nuit là pour le prier, nous, ou bien pour le prier. Bon Dieu. Il vient esclave téléphone, non. Machine n'a pas passé avant mon Dieu. Caillou n'a pas passé avant mon Dieu. Bien qu'on possède, il n'a pas passé avant mon Dieu. Parce qu'on place bon Dieu avant tout dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Radio Phare. Absolument rien. Bonne l'évangile. Bonne l'évangile. Comparé à l'amour de Dieu. Bon Dieu, son amour. Et c'est lui-même qui permet que nous capables de la matin. S'il va dire l'amour pour nous, il y a un monde qui va taper la matin. Si mon Dieu t'a gardé sous péché, nous. Si mon Dieu t'a gardé sous action qu'il nous pose, nous parlons pas la matin. Mais nous capables de dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu toujours Dieu avec passion comme au commencement? Avec le temps, ton amour pour Dieu a-t-il refroidi? Si l'église Éphèse avait abandonné son premier amour, il y avait une raison. Il y avait quelque chose qui ne marche pas. Si l'église est faite, c'est abandonner le premier amour, malgré bon Dieu, oh, Jésus a commencé à féliciter l'église là. Mais qu'on bagaille qui pas marché. Pour trouver la raison, il est important de trouver tous les éléments importants dégagés dans la lettre écrite à l'église d'Éphèse. D'abord, trois éléments essentiels attirent notre attention dans ce passage. Le premier élément, Jésus félicite et encourage l'église d'Éphèse. Le deuxième élément est une reproche. Le troisième et dernier élément est une exhortation. Et ces trois éléments, ça, qui va faire objet de notre intervention. Le premier élément, Jésus féliciter l'église là, lui complimenter l'église là, lui encourager l'église là. Dans les versets 2 à 3 du chapitre 2, Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés, menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Jésus commence à faire des éloges de l'église d'Éphèse. Il complimentait l'église là, pour œuvre-li, travail-li, persévérance-li, et sa loyauté envers la vérité, pour son rejet des faux apôtres. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Matin, je veux dire, Jésus connaît, matin. Jésus connaît les gens qui ont marché avec lui. Jésus connaît les gens qui ont fait volontaire.
Jésus connaît les gens qui marchent droite. Jésus connaît les gens qui pratiquent de bonnes œuvres. Il connaît les gens qui pratiquent de mauvaises œuvres. Oui, il connaît l'homme. Il connaît moi-même ensemble avec eux. Si c'est un monde qui fait ça qui est bien, qui traite les gens bien, Jésus connaît au matin. Si traite les gens non vrais, bon Dieu connaît. Si traite les servantes qui travaillent la carrière, ou traite comme monde, ou traite bien, Jésus connaît. Si traite les petits ou bien, il connaît. Si traite madame ou bien, il connaît. Si traite mal ou bien, il connaît. Si traite hommes ou bien, Jésus connaît. Et ce sont un monde qui a pratiqué la magie. Malgré dans toute activité à l'église, Jésus connaît parce que rien n'a pas dépassé connaissance. Il est omniscient. Il connaît tout ce qui a passé en nos pensées. Il connaît tout ça, toute réflexion que nous avons fait. Il connaît. Lors à l'école là, ou dit parents ou à l'école, pour ton parler à l'école, vous prenez l'autre route, Jésus connaît. Il connaît. Soit vivre dans l'immoralité sexuelle, le Dieu matin, Jésus connaît. Malgré le ministère, ou qu'on servante nous pas qu'à parler, ou qu'on est ennemi dans le ministère, ou qu'on est ennemi dans l'église là, ou dit tout autant de dignité pas tomber sous le stomac ou pas relâcher. Jésus connaît. Jésus connaît, frère. Si quelqu'un est un commissariat, ou qu'il y a un haine, ou qu'il y a un racine dans le cœur pour frère la poussière là, je veux dire matin, Jésus connaît. Je veux dire ça matin, il est possible pour vivre miracle, bon Dieu. Il est possible pour vivre la gloire, bon Dieu. Si quelqu'un est un commissariat, si quelqu'un est en prison, si vous vivez dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans l'adultère, sous qui elle n'a qu'elle. Mais maintenant, il y a un peu de tout. Ou besoin de libérer maintenant pour vivre le bon Dieu dans la dimension. Là, bon Dieu, ensemble avec vous. Ou besoin de libérer maintenant. Ou besoin de servir bon Dieu maintenant. Ou besoin de battre tout le même maintenant. Pour servir bon Dieu. Parce que la capacité qu'il a en même, c'est bon Dieu qui bat. Là, bon Dieu, ensemble avec vous. On dit ensemble, alléluia. 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 C'est pas zèvre vous qui a sauvé, mais l'évangile qu'on a prêché, il doit accompagner des bonnes œuvres. Jésus connaît, frère, sœur. Moi, mes serviteurs, ça, qui chante la musique, ça, il dit, Jésus connaît, non, moi. Il connaît toute pensée. Il dit, à chaque fois, me crier, elle tendait, l'aimerait. Bien aimé, vous connaissez Jésus connaît, non? Vous connaissez Jésus connaît, non? Pour qui ça? Pour qui ça, on a dit, tu vas prier pour un bien-aimé qui est Canada, ou tu vas citer non seulement. Jésus connaît, on. Jésus connaît, on. Pour qui ça, petit, tu vas vivre, pour te avoir, mais on prie, on prie, on cite non, on parle avec mon Dieu. Bon Dieu, il agit côté qu'il y a. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. La paix, mon Dieu, ensemble avec vous. Jésus, il connaît, on, matin. Gagné. Deux, moun qui étaient fiancés. Tout au long que fiançailles là, pendant 3 ans, ils ont servi mon Dieu dans la fidélité. Ils ont été kembé tête. Mais un bonjour, le fiancé dit qu'il doit visiter sa fiancée. Et avant même qu'elle y a visité fiancelle, il m'a dit, est-ce que maman l'a plat? Il dit, non, maman m'a plat. Est-ce que papa m'a plat? Papa m'a plat. Qui moun qui a pas n'a là? Personne moun qui a pas là. Et il dit, chérie, tel jour, telle date, m'a visité. Nous passons plus le temps, ensemble, mais je dis, c'est le moment opportun pour me capable visiter. Effectivement, le visiter fiancé, on connaît. Et un fiancé qui a visité un fiancé, il y a des préparations qui doivent être faites. Et lorsque monsieur arrivé, il chita dans le salon, comprendre. Et puis, fiancé,
Il y a une chambre là, la préparer, la baigner, la mettre poudre, la mettre. Aidez-moi, mesdames. Hein? Radio Phare. Ah, et encore ensuite. Bam l'évangile. Bam l'évangile. En pile décoration, on comprend. Donc, son fiancé, qui a recevoir un fiancé. Et pendant que le fiancé finit de préparer, il allait jeter dans le salon avec le fiancé, il embrasser. Fiancé, Yoshita qui a parlé. Et puis, pendant qu'il a parlé comme ça, le monsieur, il commençait à toucher d'amenant. Il dit, chérie, ça fait longtemps que, nous remet, nous fiancés. Mais je dis, me senti que, m'baka kembe, je dis, à ce moment, pendant que tout le monde pas là pour nous profiter, pour nous faire bagay que nous pas qu'on fait. Nous comprendre, c'est grand monde que nous y est. Pour nous faire toute bagay que nous pas comprendre. Et pendant qu'il a parlé à fiancé, comme ça, il a touché. Et c'est ainsi que la jeune fille, il parle à genouiller, il baisse bien bas, il remplit du Saint-Esprit. Il dit, qui côté me taille pour mon Dieu par elle? Si ma caché en bas la main là pour elle, si m'entraîne en touche que la bohème, je dis à même, bon Dieu pas d'accord pour vivre l'immoralité sexuelle, bon Dieu, ouais non, mon Dieu, campagne, ouais non. Pendant mon Dieu remplit une fille avec onction, avec présent, mon Dieu. Et puis j'ai un garçon, un baissé à l'énorme. Il dit, moi m'a dit au pardon, moi m'a dit bon Dieu pardon, pour un mauvais esprit, ça qui t'est animé, pour me faire tomber dans ça qui m'a tombé. Mais je dis, il y a une force pour me camper, pour nous résister, et pour nous faire bagaille que nous devons faire jusqu'à ce que nous marions. Il a fait bon Dieu ensemble. Est-ce qu'on acclame la présence de Dieu, bon Dieu, gloire à ma terre. C'est ça, mon Dieu, pas qu'à faire. Les bons mamans ne sont pas capables, mais bon Dieu, mettez force dans nous-mêmes. Bon Dieu, on va quand ça tout faibli, on va prier, on va quand ça tout faibli, on va adorer, bon Dieu, on va quand ça tout faibli, ou tellement que problèmes qui nous sont, on ne sont pas capables encore. Jésus a aidé pour te chahuer, attendez, la paix, bon Dieu, on s'en va voir. Ça qui toi, nous, pour moi, bon Dieu, il a aidé pour te chahuer, qui toi, nous, pour moi. Le deuxième élément, c'est un reproche. On reproche. L'église Éphèse, il va abandonner le premier amour. L'église d'Éphèse, dont le nom signifie relâcher, c'est-à-dire qu'elle se relâche. Et il produit aussi des œuvres que Jésus connaît. Mais Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà une reproche qui fait trembler. Malgré tout bon bagage que l'église l'a fait, malgré bon Dieu a utilisé l'église là, mais bon Dieu pour faire l'église a reproché ça pour le dire, il a abandonné le premier amour là. Le premier amour ici, c'est désirer ardemment être dans la présence de Dieu. C'est être prêt à faire des kilomètres à pied, en avion, en voiture, en bateau, pour goûter pendant quelques minutes la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, moi, mes serviteurs, ça dit, j'ai soif de ta présence, de ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Bien-aimé, sois là toujours, c'est grâce à présent, mon Dieu. Je ne vais pas tomber là-dedans. C'est bon Dieu qui est donné. C'est pas ce que mon son qui n'a pas de forme. On fait quoi étudier? C'est pas ça. Mais c'est bon Dieu qui est donné. Bon Dieu qui est donné. Le premier amour s'agit d'un attachement au Seigneur sans concession. Et c'est de cet amour que parle le prophète Jérémie selon la parole de Dieu à Israël. En Jérémie chapitre 2, verset 2. Va. Écrit aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Moi, songez comment t'as servi moi. Moi, songez lorsque t'es jeune, affection que t'as gagné pour moi. Moi, songez lorsque t'es jeune, affection, l'autre fiancé. Et combien de monde, je dis,
Mais on t'est converti, on t'est zélé, on t'a servi bon Dieu, on t'est gros flamme pour servir bon Dieu. Quand flamme ça, ou cherche flamme non, ou parwel. Combien de fois monter t'as utilisé l'église là, dans le ministère, mais kounya, on fait back dans l'évangile là. Bon Dieu besoin jeune fille, bon Dieu besoin jeune garçon, vous capable d'utiliser, non, dans le gros ministère ça dans les organes, vous capable parler pour bon Dieu, là bon Dieu ensemble avec vous. Est-ce qu'on passe tout abandonner premier l'amour? L'amour te gagné pour le ministère. Longtemps l'appli par l'appli. Ou venir dans le service là quand même. Ou venir dans le rencontre ministère. Ouais, pas ouais. Ou venir dans le choral là. Lorsque tu travailles, ou fatigué, ou mais, ou tellement bon l'amour pour travailler, bon Dieu, ou venir quand même. Il n'y a pas de temps, je suis fatigué. Pas de temps, mon grand goût, comment? Pas de temps. Hein? Ou pas de temps, non, mon gain de temps. Hein? Vous gardez feuilleton. Service là, fait dans l'église, mais on a feuilleton caché dans la chambre, non? Ou sous téléphone, comme qu'on y a, gain internet, presque dans tout téléphone ou sous téléphone, vous comprenez? Hein? Il n'y a pas de temps, hein? Facebook, pas bon temps. Malgré ou connaît sa parole, bon Dieu dit, mais film pornographique, pas bon temps. Ou perdit premier l'amour, travail pas bon temps. Bon, du magal, qui moun ki bon travail là? Qui moun ki bon capacité pour travail? Qui moun ki bon intelligence pour travail? Bon, le travail là pas bon temps. Et si bon Dieu pour travail là, non, mon, ça va faire après, hein? Qui ça va faire là, bon Dieu ensemble? Bon Dieu ensemble, alléluia! Alléluia! Dis-moi donc que tu n'as pas abandonné le premier amour. Il n'est pas grand salé. Pas abandonné le premier amour. Là, bon Dieu, c'est ma mère. L'amour est une bénédiction qui sortit dans mon Dieu. L'amour apporte la joie, la paix et plusieurs autres vertus chrétiennes. Tenez bien. L'absence d'amour. C'est la solitude. La salle d'amour. C'est l'ennui, la tristesse. C'est frustration. Lorsque pas de l'amour, pas de lumière, pas de vie, non, même. Et ça faut besoin qu'on ait que. Ou besoin faut analyser la vie au matin. Pour est-ce que ou abandonner premier l'amour. Qui ça pour me faire? Pour me rester dans l'amour, mon Dieu, hein. Pour rester dans l'amour, mon Dieu, hein. Il faut mener une vie d'obéissance. Pour rester dans l'amour, mon Dieu, hein, il faut mener une vie de prière. Une vie d'humilité. Pour rester dans l'amour, mon Dieu, hein, il faut mener une vie de sanctification. Une vie qui a pas. Une vie qui séparée de ça. Qu'a passé dans le monde, ça. Moi, mes serviteurs, ça qui dit, purifiez la vie, Seigneur, purifiez la vie, bouche-moi, c'est pour vous, hein, corps-moi, c'est pour vous. Bon, nous, bah, où tu dans l'amour, mon Dieu, est-ce que ça dit corps, c'est pour mon Dieu? Où tu dans l'amour, mon Dieu, est-ce que ça dit l'esprit, c'est l'esprit, mon Dieu? Où tu dans l'amour, mon Dieu, est-ce que ça dit, n'est-ce pas, pensez qu'à veille qu'il est dans le même, yo. Est-ce que on sorti dans l'amour, mon Dieu? Comme du bagage matin. Si c'est pour l'amour, mon Dieu, on souffre, qu'on a bien souffre, attendez. Si c'est pour grâce, mon Dieu, à plus milliers. Si c'est pour onction, mon Dieu, à plus milliers. Non, monte ça. Ou bien dans le quartier, là. Il y a bien un million. Là, mon Dieu, ensemble, là. Là, mon Dieu, ensemble, autant marqué. Autant fixé. Bon diable, levez-vous en dignité. Là, mon Dieu, ensemble, avec. Combien de monde qui veut le bon Dieu lever au matin, hein? Est-ce que le bon Dieu lever au matin? Là, ça, que vous avez, là. Joseph a fait une expérience douloureuse avec Dieu. Le fils préféré de Jacob et de Rachel. Mais frère, il a été raï. Il a comploté pour tuer. Il a pris Joseph, il a jeté dans la citerne. Yo di a fini ensemble avec lui pour qu'il tue elle. Pour bête féroce capable manger.
On a en pile fois ennemi en fait complot pour le finir alors. Mais bon Dieu pas qui Radio Phare. Bam l'évangile. Bam l'évangile. Je connais le projet que j'ai formé chez vous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mam nous bagaille. L'homme dit ça fini pour vous, bon Dieu fait commencer avec vous. Hein? Bon Dieu fait commencer faire où dans ce malheur. Et nous fait commencer saisir. Parce que là, vous n'avez deux plats, mais papa, bon Dieu. Vous prenez Joseph, vous vendez. Vous avez mis pas mourir. Vous vendez aux Ismaélites. Potiphar va l'acheter, monsieur. Il va le prendre, monsieur, travaille comme un gérant la caille. Pendant Joseph travaille la caille Potiphar, voilà, il va être accusé de viol. Madame Potiphar par un nègre, puis bon garçon pour le remercier. Joseph, ma connaît, peut-être, mais c'était bien campé, on va. C'est Joseph, lui remet, pour le vivre avec Joseph. Joseph, pas d'accord. Joseph, pas d'accord. Parce que madame Joseph, lui voulait mener, il éprouvait un amour pour Joseph. Mais, il y a Marie. C'est une vie d'immoralité. Et Joseph pour le sauver, il kembe vêtement Joseph. Et le mari le vini, il pourrait dire, voilà, ce que m'a fait ton esclave. Il m'a demandé pour vivre avec moi. Comment tu comprends que madame ou la carou, comme on travaille, depuis matin, on sorti, soit le travail, on est sorti. Mais madame, on va dire que, mais mes messagers ont l'enfer, mes propositions qu'elle fait, ou bien elle mettait main sous moi, comment t'as senti tout, ou même qui est madame. Quelle serait votre réaction? Joseph parle enflammé de colère. Et bien, elle prend Joseph, il parle père de Joseph. Non, en prison. Vous venez malgré Joseph, t'es en prison. Mais elle t'a une faveur, bon Dieu, ensemble avec lui. Bon Dieu, t'es ensemble avec lui. Bon Dieu, qu'à promettre en prison à cause de l'évangile, mais mon Dieu, visitons en prison. Y'a qu'à humilier, mais mon Dieu, visitons, bien-aimé. Bon Dieu, visitez-vous. Et que mon Dieu visite chaque monde qui sortit affaibli, batteur. Je sentis que j'avais un temps qui est difficile. Il y a des gens qui sentent qu'ils ne sont pas capables encore. Il y a des gens qui sentent qu'ils sont lassés, qu'ils sont découragés. Je ne dois pas décourager. Fais bon Dieu confiance. Pas décourager. Comptez sur la main puissante de Dieu. Avec Dieu, nous ferons. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions. Alléluia. Elle se renouvelle. Chaque matin. Elle se renouvelle. Son jeune fille dans l'église, moi, j'étais chita avec lui, ça fait environ 3 ans. Belle jeune fille. Chita l'a crié. Il dit, pasteur, je ne suis pas capable. Je dis, on t'a dit à ce bon, pasteur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. On a des gens qui sont dans la même situation, ça, qui dit, je ne suis pas capable. Qui n'est pas capable, je ne suis pas capable. Il n'y a aucune ressource pour aider résister à la vie. Je me dis, bon Dieu plus fort. Bon Dieu plus fort que problème. Yo. Et j'ai une fille ça, je dis, ils sont leaders. Leur travail. Ils sont leaders, leur travail. Ils sont salmis. La travail, mais ça, bon Dieu, qu'a fait, bien aimé. Là, mais bon Dieu, ça. Là, ça, tout pas capable. Mais bon Dieu, qu'a bon piqué. Pour de réussir à la vie. Là, mais bon Dieu, ensemble avec eux. Joseph. Joseph, dans la prison, oui. Mais monsieur, on va le faire, songe. Personne, baka. Ba explication, son là. Pharaon. Même les magiciens. Tous les sages de l'Égypte, ils sont pas capables de faire explication sur là. Et les sages vont dire Joseph, bon homme qui est le Joseph, son serviteur, mon Dieu, qui est lié, qui a pas explication.
Mais ça ne peut pas mettre Joseph de la paix bon Dieu ensemble avec vous. La paix bon Dieu ensemble avec vous. Regardez. Les gens disent pas besoin, mais bon Dieu besoin. Attendez. Les ennemis ont dit pas besoin, mais bon Dieu besoin. Bon cafou, cabrivé. Il y a besoin, les bien-aimés. La paix bon Dieu ensemble avec vous. Faut mieux qu'à rejeter. Il n'y a pas besoin parce qu'on n'a pas l'argent. Ou pas faire gros études. Mais gros cafou, cabrivé. Si moun n'en pral mourir. Gros cafou, pral lui-même. Maladie, elle va le finir avec moun. Il va le dire, elle est telle. La paix bon Dieu ensemble avec vous. M'con elle qu'a prié pour lui. Bon Dieu qu'a guéri. Bon Dieu qu'a utilisé. La paix bon Dieu ensemble avec vous. Il n'y a pas besoin, mais bon Dieu, car il utilise dans des situations difficiles. Et Joseph parle. Joseph pas qu'à être dans la prison, non? Parce que pas de monde qui a une explication avec son élan. Et c'est ainsi que Joseph, il parle sortir rapidement dans la prison, parce que c'est celle-même qui a une explication avec son élan. Joseph, il n'y a pas besoin. Joseph, il a été humilié, voilà. Joseph parle pas placé comme gouverneur du pays d'Égypte. Vous avez une bagaille, moi, maintenant, Joseph. Frère Joseph, yo, même sang avec lui. Yo, t'es complété contre Joseph, yo, tué Joseph. Yo, prend Joseph, yo, la gueule, l'on citaine. Mais, Joseph, ça, bon Dieu, pour le lever en dignité, ya. C'est lui-même qui pourra le prendre soin, frère, yo. Joseph, pas guérin, qui n'a qu'à, la paix, mon Dieu, ça m'a l'or. La paix, bon, nous, bagaille, et n'y a qu'à faire mal. Mais ça, l'amour, mon Dieu, dans le cœur, où doit toujours aimer. La paix, mon Dieu, ça m'a l'or. Si c'est pour aider, nous, doit aider, la paix, mon Dieu, ça m'a l'or. Bon Dieu, pour utiliser Joseph. Il va brailler, frère. Troisième élément et dernier élément est une exhortation. Puisque l'église Éphèse abandonne le premier amour, il y a un bagage qui n'a pas marché. Et c'est peut-être ça, Jésus va dire à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. L'église est faite, il doit changer quand elle tombe. Et s'il tombe, il doit lever, il va doit être à terre. Mais les hommes du bagage, on va tomber. On va doit être à terre. Là, on va dire, on va doit être à terre. On doit lever pour servir, mon Dieu. Doit lever pour adorer, mon Dieu. Lever pour bataille. Parce que c'est le monde qui bataille jusqu'à la fin qui va couronner. Là, on va dire, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est un appel à la repentance. La repentance, c'est un sentiment qui se produit dans notre cœur à la révélation de la prédication de l'évangile. C'est le premier bagage que cet esprit fait dans la vie, non? Il convainc nous de pécher. Il convainc nous d'avoir conscience. D'avoir reconnaître le mal que nous faisons. Et laisse ça, d'avoir repenti. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 38. Lorsque les gens entendirent la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il est écrit qu'il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, ta Pierre, et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre pourra répondre, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Église est faite, il doit repentir, il doit pratiquer les bonnes œuvres. Et Jésus dit, s'il pas repenti, il a enlevé le chandelier, s'il pas repenti. Le chandelier sera ôté. Si l'église de Fès ne se repent pas, frères et sœurs, le chandelier, il représentait l'église. Chandelier, ça, il représentait lumière, bon Dieu, dans la vie, non? Chandelier, ça, il représentait onction, mon Dieu, dans la vie, non? Chandelier, ça, il représentait la puissance de Dieu, dans notre vie.
Et si son délivré ça, il est enlevé, il a mouru spirituellement. Ça veut dire, ou même qui a abandonné premier l'amour, hein, sous pas repenti, ou a perdu grâce, mon Dieu. Sous pas repenti, ou a perdu onction, mon Dieu. Sous pas repenti, ou a perdu puissance, mon Dieu. Il y a plus de monde qui perdu premier amour. Et matin, hein, dans le moment ça, c'est le moment pour parler avec mon Dieu. Pour dire, Seigneur, identifier ça que fait me perdre du premier amour. C'est le moment pour parler avec mon Dieu. Parce que, dans votre vie, la haine, l'y remplacer l'amour. Dans votre vie, la haine rancune, l'y remplacer l'amour. Et maintenant, vous avez besoin de faire violence. Maintenant, vous avez besoin de faire un point, une ferme décision. Pour servir mon Dieu. Pour continuer à servir mon Dieu. Parce que, pas gain temps encore. La belle mon Dieu ensemble avec vous. La belle mon Dieu ensemble avec vous. Est-ce que vous pas senti loin, mon Dieu, matin? Est-ce que vous pas senti la haine envahie vous? Est-ce que vous pas senti perdu dimension dans mon Dieu? Non, mon gardez la vue au matin. Hein. Pas senti personne pas capable parler avant encore. Maman pas capable parler avant. Papa pas capable parler avant. Pasteur pas capable parler avant. Ami pas capable parler avant. Est-ce que pas sans tout fait back dans l'évangile? Est-ce que pas senti mon Dieu frapper pour cœur au matin, hein? Il dit petit moi, mon besoin pour me capable utiliser dans chance ça. Est-ce que pas senti? Est-ce que pas senti mon Dieu frapper pour cœur pour dire mon besoin pour me capable utiliser mon besoin pour me capable faire route ensemble avec vous. Est-ce que pas senti bon Dieu les besoins? Radio Phare. Bam l'évangile. Bam l'évangile. Bam l'évangile. Est-ce que je me pose cette question sans faire avec talent que mon Dieu m'a ou a? Est-ce que je me pose cette question dont mon Dieu m'a ou a? Dont t'es gagné en côté le fer, il disparaît. Est-ce qu'on m'a senti ça? Jésus félicite l'église d'Éphèse pour ses œuvres, son travail, sa persévérance, ainsi que sa loyauté envers la vérité pour son rejet des faux apôtres. Il reprochait l'église là. Il exhortait l'église là. Qui reproche mon Dieu pour vous matin? Qui exhortation mon Dieu fait au matin? Chaque monde qui là, il connaît vie, il connaît relation à mon Dieu. Si mon Dieu a reproché, on connaît. Si mon Dieu a exhorté au matin, on connaît. Et c'est moment même pour prendre décision, pour lever, pour capable servir mon Dieu. Là, mon Dieu ensemble avec vous. On nous dit ensemble, alléluia. 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 Me rappelle une dame, il y a un ministère des dames, l'église lui, il était dans toute activité dans l'église lui. Il est petit, voilà, il va perdre du mari. Vous comprenez? Il y a un monde qui parle de travail, voilà, il va perdre du mari. Femme ça, il dit, à travers un moment difficile dans la ville, il louait même le chaud qu'il y a dans la caille là. Il louait, il mettait en plein chaudière qu'il y a dans la caille là. Toute salle gagne pour le capable prendre son Simon. Et il y a un bagage qu'elle t'a prêté tout pour le prendre son Simon. Le bagage n'est tellement pas bon pour lui, il va arriver dans le moment là, quitter la zone. Il est obligé de quitter la zone côté qu'elle y a. Mais toute salle t'est prêtée.
li prend yo, li vole yo. Li parti. L'aller dans un lieu qui très loin. Mauvais la vie t'a bouleversé. Et pendant dame ça, l'a dormi comme ça, il pral faire un songe. Il va le faire dans le ministère des femmes, dans l'église d'y aller. Pendant qu'il a chanté, il a adoré. Et puis, zèle va le pousser dans le dos, mesdames. Il a volé. Il a volé. Toutes mesdames ont volé. Il a volé. Finalement, et comme s'il gardait dans le ciel, là, mesdames ont presque disparu dans le ciel. Et là, il n'y a pas encore. Mais lui-même, tout ça, le fait. Pour le voler, le pas qu'à voler. Tout exercice qu'elle fait. Il sent qu'il lui perd de force, il n'est pas capable encore. Et il prend le garder, il prend voler, il garder pour le voir. Qui ça qui empêche le voler comme ça? Il garder le voir. C'est le chaud qu'elle te prend. Le chaudier qu'elle te vole. Tout ça, elle te prend. Il y a un mari dans le cœur, lui. Qui empêche la loi de mettre lui. Qui empêchait le voler. Là, mais bon, j'ai ensemble avec, quoi. Et c'est ainsi que, dame ça, elle est réveillée, le matin, elle a crié, elle dit, regardez, hein, mais Jésus lui dit, me parler, elle a crié, oh, elle a dormi, elle fait son, elle a mis sa rivelle. Et puis, il va chercher l'église dans un an, qui a un service, il va demander de témoigner, pour le dire, mode de vie qu'elle t'a mené, parce qu'elle a un moment difficile, ça devine permettre qu'elle décourage. Ça permet qu'elle te vole par vague. Et qu'un bagage qu'elle te prend, elle te vole. Et bien, mes songes qu'elle fait. Amen, ouais. Dans le ministère des dames, quand elle est là, tout le monde y a volé. Mais lui-même, il était. Et bien, elle dit, mets ta genou. Il dit, me demandez, bon Dieu, pardon. Me demandez toute l'église, pardon. Pour acte me poser. Et me crois que bon Dieu, dans l'amour, il est prêt pour le recevoir, matin. Là, ben, bon Dieu, c'est ma voix. Est-ce que vous voulez acclamer le roi de roi? Par bon Dieu, applaudissement, matin, hein? Bon Dieu, manifestez l'amour, il y a une dame, ça. À travers un songe. Pour lui révéler le mode de vie qu'il a mené. Et au même matin, qui mode de vie qu'il a mené? Ou qu'a pas volé un chaudier? Ou qu'a pas volé un réchaud? Mais son monde qui a vécu dans l'adultère? Ou son monde qui a vécu dans le mensonge? Ou qu'a pas eu un nadeau? Mais qu'on bagaille dans la vie où? Qui empêche au servir bon Dieu. Qu'on m'a gagné dans la vie ou qui fait abandonner. Premier l'amour. Matin, c'est le moment pour tourner vite jeune, mon Dieu. C'est le moment pour repentir, matin. Bon Dieu a frappé votre cœur, matin. L'abri est au matin pour venir. Et je crois que 50 jours ça sont 50 jours de victoire. Après 50 jours ça, bon Dieu prend le bon de nouveaux témoignages. Il y a une vie pour la transformer. Il y a une vie pour la libérer. Après 50 jours ça, bon Dieu, il y a de nouvelles grâces qu'il peut accorder à vous-même. Mais on a besoin de rester la carte, bon Dieu. On a besoin de faire comme pitié la carte, bon Dieu. Et comme ça, on va avoir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.